Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Offside qui sera consacré à l'équipe nationale du Maroc qui entame dès demain les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021. Pour débattre de ce sujet, nous avons avec nous sur le plateau l'ancien international marocain Jamal Ait Ben Yedder. Jamal, bienvenue. Merci, salam alaikum à tout le monde. Très content d'être ici avec vous. Merci Jamal d'avoir accepté notre invitation. Donc Jamal, comme vous le savez, l'équipe nationale débute demain les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021. Certainement, comme tous les Marocains, vous avez suivi hier la conférence de presse du sélectionneur national Vahid Halilhodžić, qui a été en gros consacré à l'affaire Amin Harit. Donc, Vahid, il a été très clair. Le message de lui, il est clair. Il a dit qu'il l'a évincé ou l'a écarté plutôt pour des raisons plutôt de discipline. Et surtout qu'il n'est pas également content de son rendement lors des deux derniers matchs. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je suis pas là pour dire si je suis de cet avis ou pas, mais ce que je constate, c'est que l'équipe marocaine, l'équipe nationale, est dans un renouveau. Le sélectionneur, il est dans une campagne un petit peu de recherche vis-à-vis de son groupe. Il cherche un peu les bonnes formules. Maintenant, un coach, pour que son équipe trouve la bonne carburation, il établit un cadre. Halilhodžić, il est connu pour mettre en place ce cadre-là au niveau de la discipline. Et je pense qu'il veut vraiment marquer le coup. Il veut vraiment marquer son territoire avec cette conférence de presse. Bon, il a été un peu fort sur Amin Harit. Maintenant, ce qui s'est passé au niveau du groupe, lui seul le sait, Amin aussi. Mais Halilhodžić, il est connu pour vraiment marquer son empreinte à ce niveau-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, pour vous, donc, vous avez dit que c'est un peu trop fort, mais est-ce que c'est pas utile un petit peu pour rétablir de l'ordre, parce que pour ne pas un petit peu prendre cette équipe nationale en otage par certains, les caprices de certains joueurs? Non, chacun a sa méthode. Hein. Si Halilhodžić, avec l'expérience qu'il a, estime que sa méthode donne des résultats, il va continuer sur ça. Après, quand je dis un peu trop fort, c'est que moi, je pensais qu'ils avaient peut-être eu un dialogue avant, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Après, d'un côté, c'est bien parce que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et c'est ce qu'il veut. Comme je l'ai dit, l'équipe, elle se renouvelle. Tout le monde doit être concentré et mettre l'équipe nationale au-dessus de tout. Et ça passe par un comportement exemplaire. Oui. Jamal, donc, comme vous le savez, comme vous avez dit vous-même, cette équipe nationale est en plein renouveau. Donc, il y a un fin de cycle. Il y a plusieurs joueurs qui sont partis à la retraite. Donc des Ben Atia, des Barca Bossofa, des Karim El Hamadi et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est de nouveaux joueurs qui arrivent. Vous avez certainement suivi les matchs amicaux de mois d'octobre et de mois de septembre. Qu'est-ce que vous inspire cette équipe? Est-ce que vous n'avez pas de crainte par rapport à l'avenir de l'équipe nationale? Non, à l'heure actuelle, il faut bien que le supporter marocain, entre guillemets, regarde les choses avec beaucoup de clairvoyance et de réalisme. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe, elle est vraiment en reconstruction. On voit qu'il y a une génération qui est partie, qui a fait, entre guillemets, son travail. Maintenant, il y a un renouveau, ça demande du temps. On le voit, il a fait beaucoup d'expérimentations ces derniers matchs. Halilhodžić, il le dit lui-même. Et malgré ça, j'ai l'impression qu'il trouve pas encore la bonne formule. Voilà, quand on voit l'équipe jouer, il y a pas quelque chose vraiment qui se dégage. Il y a pas un style, il y a pas une ligne directrice. Donc c'est encore flou. Donc je pense que l'équipe elle va pas être prête tout de suite. Donc, si j'ai bien compris, donc il faut lui laisser le temps pour préparer, pour bien mettre en place son équipe. Oui, il faut lui laisser le temps. Et ce match de la Mauritanie, je pense que c'est un adversaire qui correspond à ça. C'est pas la Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour la Mauritanie, normalement le Maroc doit gagner, Inch'Allah, avec la manière. Donc, je pense que ça peut être le début de quelque chose. Donc, parlons de la Mauritanie, parce que demain, le Maroc, donc, elle entame cette campagne éliminatoire qu'Inch'Allah, on l'espère, comme l'espèrent tous les Marocains, nous emmènera à la Coupe d'Afrique 2021. Ça sera face à la Mauritanie. À quel genre de match fallait-il s'attendre face au Moura Betoun? Ben, la Mauritanie, je connais bien certains joueurs. Je connais très bien le coach, Corentin Martins.
Il aime le beau jeu, il aime, c'est une équipe joueuse, donc c'est très bien pour le Maroc. Je pense, voilà, s'ils viennent ici pour venir chercher un point, c'est pas quelque chose qu'ils savent vraiment bien faire, donc ils laisseront des espaces et à partir de là, ça laissera des brèches pour le Maroc. Donc, à votre avis, quels pourraient être les points forts de cette équipe de Mauritanie qui pourraient éventuellement un petit peu menacer l'équipe nationale? Non, c'est à contrario de l'équipe marocaine, c'est des joueurs qui se connaissent. Corentin Marcis, il a mis un groupe en place, il y a cette continuité. Le Maroc, c'est pas le cas. Ali Oudzik, il le dit lui-même, il n'a pas encore trouvé de capitaine susceptible de vraiment porter le brassard et être vraiment le leader de cette équipe. Donc c'est toute la problématique qu'il y aura sur ce match-là et puis le match à venir aussi du Burundi. Est-ce que ça ne vous inquiète pas que Vahid continue toujours de chercher? Ça veut dire qu'elle est là depuis, on va dire, 5 mois. À peu près, oui. Est-ce que c'est pas un petit peu gênant de le voir encore chercher? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est la problématique, elle est là. Il y a le temps qui passe. Il y a l'exigence des résultats, du style aussi, parce que le Maroc, c'est une grande nation d'Afrique. On attend beaucoup. Il faut gagner, mais il faut gagner avec la manière. Pour ça, il faut avoir un style. Pour avoir un style, il faut mettre des choses en place. Pour mettre des choses en place, il faut avoir des certitudes. Les certitudes, il les cherche. Il les a pas encore trouvées. Donc, on n'est pas en avance, on va dire. Oui. Vous avez parlé de certitudes et chercher des certitudes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien international, ouais, qui a vécu au sein de cette équipe nationale, ouais, pendant un certain moment, quelles sont aujourd'hui les certitudes qui se dégagent de ce groupe? Il y a certains joueurs, si vous partez de derrière, vous prenez des joueurs comme Saïs, des joueurs comme Hakimi, vous prenez Mrabat. Ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ont vécu quelque chose avant, qui sont toujours là, c'est un peu une colonne. Si on peut parler un petit peu de secteurs de jeu, qui sont aujourd'hui les secteurs de jeu qui, un petit peu, dans cette sélection, qui, on peut dire, qu'ils sont bons? Je dirais pas plutôt qu'ils sont bons ou pas bons. Qui inspirent confiance? Quand on regarde globalement, toute l'équipe est un peu en recherche. Toute l'équipe un peu en charge. Quand on prend le poste de gardien, si je vous pose la question de qui, de Bounou ou voilà, ouais, voilà, on peut pas vraiment trancher à 100%. Ça s'équivaut. Derrière, il y a eu beaucoup d'essais aussi. La charnière centrale, je peux pas vous dire exactement quelle charnière idéale je vois à l'heure actuelle. Au milieu, c'est pareil. Au milieu, c'est pareil. Et devant, ça le montre bien avec Hamdallah qui arrête et le retour de Youssef El-Arabi. Ça montre bien qu'on cherche des solutions qu'on ne trouve pas. Oui. À propos de Youssef El-Arabi, il a été négligé, on va dire, par l'ancien coach. Comment vous avez accueilli son retour en sélection? Pour les relations qu'il avait avec l'ancien coach, c'est de l'histoire ancienne. Moi, je suis très content pour lui. Parce que Youssef, c'est quelqu'un que j'ai connu avant qu'il soit pro. Donc j'ai vu toute sa progression. Tout ce qu'il a eu dans sa carrière, il a été le chercher par le travail. On ne l'a pas aidé. Je l'ai connu très tôt à Caen, etc. Et on peut dire ce qu'on veut. Si on veut parler de statistiques, partout où il est passé, il marque. Donc à l'heure d'aujourd'hui, sa présence, elle n'est pas discutable. Là, il a marqué en Ligue des Champions. Il est dans un club qui joue la Ligue des Champions. Non, il est performant. Il a 32 ans, mais maintenant c'est à lui aussi de montrer qu'il va être indispensable et que le sélectionneur a fait le bon choix de le rappeler. Autre sujet qui suscite un petit peu le débat aujourd'hui, ouais, au sein de cette sélection nationale, il y a aussi le cas de Younes Belhanda qui appelait après, je crois, il était blessé. Maintenant, il n'est pas là. Vahid a expliqué plutôt. Que s'il l'a écarté, c'est pour son rendement actuellement, c'est-à-dire qu'il est en baisse de régime. Êtes-vous de cet avis ou là, vous pensez que Younes a une place encore en cette équipe nationale? Non, Younes, je le connais bien, c'est quelqu'un de performant. Il est à Galatasaray, ça fait des années qu'il est au haut niveau.
Maintenant, le sélectionneur le suit de plus près, donc peut-être qu'il a une baisse, peut-être qu'il a une petite blessure, peut-être ça, je sais pas. Après, ce que le sélectionneur dit, c'est qu'il est pas performant pour qu'il l'appelle, donc c'est qu'il attend plus de lui. Maintenant, c'est à Younes de faire plus pour être appelé. Mais Younes Belhanda, c'est un joueur qu'on connaît, on connaît son caractère trempé, c'est positif, hein. Moi, si j'étais coach, j'aimerais avoir des joueurs comme Belhanda, parce que c'est des joueurs avec qui tu vas aller à la guerre. Et c'est un très bon footballeur. Donc non, comme j'ai dit, on respecte les choix du sélectionneur. Il faut être derrière l'équipe nationale à partir de demain. Donc, vous pensez donc demain qu'à commencer par la Mauritanie, c'est une bonne chose. Ça permettra peut-être, même si c'est un match officiel, à Wahid de continuer à construire cette équipe, à l'équipe nationale de développer plus d'automatisme, puisque l'adversaire, c'est pas un foudre de guerre, comme on dit. Oui, mais après, je le répète, hein, avec tout le respect que j'ai pour la Mauritanie, ça va pas être un match facile. Ça va pas être un match facile. Et comme je dis, aujourd'hui, l'équipe du Maroc a pas tant de certitudes pour se permettre de considérer un adversaire comme la Mauritanie comme facile. Donc, faudra que l'équipe qui l'alignera soit très concentrée. Et vraiment, 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 qui débute le match en se disant, voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure, et qu'ils ouvrent leur livre à partir de demain et qu'ils écrivent une belle histoire. Oui. Après la Mauritanie, le Maroc donc, va se déplacer au Burundi. Vous avez connu l'Afrique. Ouais. Est-ce que même si le Burundi il a été battu par la Centrafrique dans le même groupe, puisque Centrafrique, Burundi, Maroc et Mauritanie sont dans le même groupe, Est-ce que c'est aussi un piège, un match piège? Oui, les matchs en Afrique, c'est toujours des matchs pièges. Il y a les conditions. Quand je parle des conditions, il y a les conditions climatiques au niveau du terrain. Donc c'est totalement. On peut pas dire on va gagner, on va pas gagner. C'est des matchs vraiment où il faut être vraiment très 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 concentré. Et c'est des matchs qui jouent souvent sur les coups de pied arrêtés ou des erreurs d'inattention par rapport à la surface du terrain, etc. Donc non, il va falloir très concentré et vraiment pas prendre ce match-là à la légère. À propos de ce match du Burundi, j'ai eu quelques coups, comme Vahid l'avait dit aux joueurs, ouais, qui ne veut pas entendre des excuses, le terrain, la température et tout ça. Donc il les a déjà mis en garde face à toutes les excuses qu'il pourrait trouver au cas où il y a un mauvais résultat. Donc, il les a un petit peu responsabilisés. Il leur a dit que vous êtes, vous aussi, des Africains, que vous allez vous battre pour gagner. Il y a le discours. Après, il y a le vécu. Moi, j'ai connu le football en Europe. J'ai connu le football en Afrique. Et c'est clair que quand t'as l'habitude d'évoluer en Afrique, c'est un peu plus facile de s'adapter à ces matchs-là. Mais sur un match, les joueurs qui évoluent en Europe peuvent s'adapter. Mais comme je l'ai dit, ça va demander beaucoup de concentration et surtout pas prendre ce match-là à la légère. Ouais. Donc, c'est un groupe, comment vous le voyez, Burundi, Mauritanie et Centrafrique, ce groupe-là des Lions d'Atlas? C'est vraiment un groupe où le Maroc doit gagner tous ses matchs à domicile. Ça, c'est, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Et à l'extérieur, les conditions seront tout autres. Donc, il faudrait être très méfiant, très concentré. Donc, je pense que voilà, le Maroc a tous les atouts, malgré que l'équipe soit en reconstruction, a tous les atouts et doit finir en tête de ce groupe. Oui. On a vu par moment, dans les matchs un petit peu qui sont passés, qu'il y a certains joueurs qui se marchent pratiquement sur les pattes au milieu de terrain, surtout les joueurs offensifs. Est-ce que par exemple une association d'un par exemple d'un Hakim Ziyech à côté, je crois Tarab, t'as pris Harit quand elle était encore là, donc il y a un petit peu de beaucoup d'engouement dans un même secteur de jeu, est-ce que... Ouais, il y a plusieurs explications. Il y a déjà le style de ces joueurs là qui se rapproche un peu, c'est des joueurs de ballon, c'est des joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds. Après, il y a le style aussi de l'équipe. Après, il y a aussi que le fait, vous prenez par exemple Tarab, c'est des joueurs, ça fait un moment qu'ils n'étaient pas là, donc ils ont envie de prouver, de se montrer. C'est bien, hein, c'est positif. Hein. Harit, pareil. Ziyech aussi. Donc, c'est une recherche de leadership technique qui anime ces joueurs. Et par moment, voilà, ça, ils se marchent dessus. Et c'est le rôle du sélectionneur de trouver la formule adéquate
pour associer tous ces talents-là et pour que le style de l'équipe soit en adéquation avec leur qualité à tous. Oui. Donc, quand on prend les joueurs de l'équipe nationale, individuellement, c'est quand même des bons joueurs qui évoluent dans des bons clubs. Oui. Mais généralement, on n'arrive pas. L'alchimie n'est pas encore prise. La sauce, comme on dit, n'est pas encore prise jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Comme je dis, c'est là tout le travail du sélectionneur et de son staff technique. C'est de trouver la bonne formule qui va aller le mieux à ce groupe, aux qualités de ces joueurs-là. Qu'on parle de joueurs évoluant en Europe ou des joueurs évoluant en Botola. Donc c'est là, c'est le rôle du sélectionneur. C'est son travail. C'est la responsabilité principale qu'il a. C'est de, avec tout ce mélange, de donner quelque chose de cohérent en un laps de temps assez réduit. Vous qui avez évolué en équipe nationale, donc, pour l'équipe nationale, quels sont les obstacles qu'il peut trouver, à part la température, à part l'état de pelouse, quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer dans un déplacement en Afrique? Dans un déplacement en Afrique, non, c'est le changement, comme j'ai dit, c'est toujours pareil, c'est le changement rapide de conditions. C'est tout, c'est vite s'adapter et puis ça dépend aussi de la période dans l'année. Quand je joue des matchs en tout début de saison, c'est pas pareil que sur, je pense que là à cette période de l'année, les joueurs seront bien physiquement. Alors là, c'est pas comme s'ils jouaient au mois de juillet ou au mois d'août où là ils sont encore en recherche des organismes physiques, voilà, etc. Donc non, c'est, on parle de footballeurs de haut niveau, donc c'est notre travail aussi de s'adapter. Quand on est footballeur de haut niveau, ça fait partie du métier. Si je vous demande un petit peu une comparaison, vous qui avez évolué en Europe et ensuite au Maroc, quel regard portez-vous un petit peu sur les deux footballs? Moi, on m'a souvent posé la question, mais moi, je ne suis pas de ceux qui les comparent. Par exemple, vous pouvez comparer deux choses similaires qui sont, entre guillemets, dans un endroit différent. Ouais, mais le joueur local, le football entre guillemets en Botola et le football, moi si je prends le cas de la France, parce que j'étais formé en France, c'est différent, on peut pas le comparer. Je vous donne juste un exemple. En Botola, il y a une restriction à 4 étrangers. Donc la majorité des joueurs qui vont composer la Botola, c'est des joueurs marocains. Le style de joueur marocain, quand je parle de style, je parle de physique, de génétique. Il est un peu similaire. Au Maroc, vous trouvez pas beaucoup de joueurs marocains, d'attaquants marocains qui demandent beaucoup dans la profondeur. Vous trouvez pas beaucoup de défenseurs qui sont un peu rugueux à l'ancienne, des stoppers. On appelait ça des numéros 4. Vous trouvez pas beaucoup parce que le style au Maroc, c'est un style technique. On aime avoir le ballon dans les pieds. On aime jouer pour soi, pas se faire mal, pas jouer pour l'autre. Alors qu'en Europe, moi, j'ai été formé dans le championnat où j'étais formé. On était tous français, mais d'origine, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Camerounais, il y avait des Algériens, il y avait des joueurs des îles, il y avait des gars des pays de l'Est. Donc tout ça, ça donnait un mélange de styles, physique, génétique, et ça donnait le football dans lequel j'ai été formé. Donc c'est totalement différent. Moi, je ne les comparerais pas. Moi, je suis de ceux qui disent il faut prendre le meilleur de ce que tu trouves dans les joueurs européens et le meilleur de ce que tu trouves dans les joueurs en Botola. Mais pas dire les joueurs qui évoluent en Europe sont mieux que ceux qui évoluent en Botola ou ceux qui évoluent en Botola sont mieux que ceux qui évoluent en Europe. Je vous repose la question autrement. Est-ce qu'au niveau formation, est-ce que vous trouvez que le joueur marocain a une excellente formation par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe? Mais si on regarde par exemple le rythme de la Botola, elle est très lente. Oui, mais cette question-là, vous la posez un joueur de Botola, lui-même, il va vous répondre. Il va vous dire non, il y a pas de, on a une mauvaise formation. Il va vous le dire lui-même. Il n'y a même pas besoin de répondre à la place du joueur évoluant en Botola. Moi, j'ai joué en Botola, j'ai vu comment c'est. Oui, il y a un déficit de formation, ça c'est clair, le constat il a été fait. Après, quand on dit un déficit de formation, on ne dit pas les joueurs qui jouent en Botola sont pas bons ou etc. Non, non. Il y a des très très bons joueurs en Botola. Mais, par exemple,
tactiquement, il y a certains déficits, c'est normal. Après, quand on parle de formation, on parle aussi de l'état d'esprit, on parle de l'esprit collectif, de la prise de responsabilité, on parle aussi de l'extra sportif. C'est tout ça, ça englobe tout ça. On parle de l'après-foot aussi. Donc c'est tout ça, le joueur doit être préparé à ça. Par exemple, quand on était formé en Europe, moi, la devise qu'avait le club où j'étais, ouais, c'était on ne forme pas des footballeurs, on forme des hommes. Donc à la base, d'abord, on recevait déjà une formation socio-professionnelle, etc. Donc voilà, ça englobe tout ça. Ouais. Jamel, merci. Chers téléspectateurs, donc on arrive à la fin de notre émission. On vous donnera rendez-vous dans une prochaine émission. Au revoir.